Et donc, pourquoi pas, puisque tout ça, c'est des croyances, éliminer nos peurs. Et moi, une des choses que j'aime par-dessus tout, c'est d'éliminer mes peurs. Et je m'en suis fait une récemment. C'était juste extraordinaire. Moi, il faut que je vous dise qu'avant, j'avais peur de l'eau. Alors, pas n'importe quelle eau, j'ai pas peur de l'eau de ma douche. Moi, j'ai peur quand je vais dans la mer et que je vois pas ce qu'il y a en dessous de moi. Quand je vois plus là, là, j'ai peur. J'ai peur, je suis paralysé. Et un jour, je me suis dit, j'étais sur un bateau, je me suis dit, mais est-ce que c'est la vérité ou est-ce que c'est une croyance? Je me suis dit, en fait, c'est une croyance. Les autres, ils nagent, ils sont heureux. Puis moi, il y a un requin et tout. Tu vois. Le mec du bateau, il n'y a pas de requin dans cette mer, ça n'existe pas. Alors, et poisson qui mange, non, il m'a dit, 40 ans que je suis là, j'ai jamais vu un poisson qui mange quelqu'un. Donc j'ai dit, c'est une croyance. Et un jour, on m'a envoyé en mission humanitaire au Cameroun. Et j'ai entendu parler d'un volcan. Un volcan éteint. Et à l'intérieur de ce volcan, à cause de l'eau des pluies, un lac immense s'était formé. Et je me suis dit, tiens, pour vaincre ma peur, quoi de mieux que d'aller traverser ce volcan à la nage? Ça, ça serait fun. Donc, je suis parti la première année et j'ai eu tellement peur que je n'ai pas pu descendre jusqu'au fond du truc. Et une autre année, on m'a dit, il y a une mission au Cameroun. Je dis, ah, ça, c'est pour moi. J'y vais. Et donc, je suis retourné. On était à 10 à descendre. À la fin, il n'y en avait plus que 3. Et donc, selon le guide, donc, il y avait des djinns, des génies qui hantaient le lac. J'ai dit, mais encore mieux. C'est là que ça devient intéressant. S'il n'y avait pas de génie, je veux dire, ça serait, on s'ennuierait, quoi. Et donc, on a traversé le cratère du volcan, qui fait plus d'un kilomètre de long en large, à la nage et on est revenu. Et aujourd'hui, je peux nager dans la mer en pleine nuit. Là, j'ai été à la mer récemment. En pleine nuit, je nage. Enfin, elle me dit, en pleine nuit, imagine, il y a un truc. Je dis, oh, j'espère qu'il y aura quelque chose. C'est ça que j'aimerais, qu'il se passe enfin quelque chose. Depuis 40 ans, j'ai peur d'un truc qui n'existe pas. Et je suis nagé en pleine nuit, je suis content, comme ça, voilà. Je vais dans la mer jusqu'au bouée. Vous voyez les bouées tout au bout? Je vais là-bas tout seul, je nage comme ça. Je suis content et je reviens. Ça y est, j'ai plus peur. Mais pendant 40 ans, j'ai été prisonnier de cette croyance. Il y a quelque chose qui va surgir sous l'eau et qui va t'attraper le pied. Et il y a des gens, ils restent, ils meurent avec leurs croyances. On les enterre avec eux. On a beaucoup parlé du million. Et moi, je connais pas mal de millionnaires. Et beaucoup d'entre eux ont tout perdu. Puis ils ont tout regagné. Puis certains n'ont jamais regagné. Puis certains ont reperdu. Parce que l'argent et tous les biens, ça se perd. Et il y a une histoire très célèbre là-dessus. Il y avait un homme sage qui traversait un désert. Et il allait voir d'autres hommes sages pour s'enquérir de la science. Et donc, il avait amené avec lui plein de livres. Des livres les plus précieux qu'il avait. Et puis, quand ils étaient dans le désert, la caravane a été attaquée par des brigands. Et comme vous le savez, un brigand, homme sage ou pas sage, livre ou pas livre, tout ce qui se revend, il te le dépouille. Et donc, il a eu beau dire qu'il était un sage, qu'il était un homme de Dieu, tout ça, le brigand, il s'en tape des hommes de Dieu. Tout ce qu'il veut, c'est de la thune. Et donc, ils lui ont pris tous ses livres, les plus précieux. Et ensuite, il s'est assis dans le désert et il a commencé à méditer sur cette épreuve. Et il s'est dit, tout ce que tu pourrais perdre lors d'un naufrage, tu ne le possèdes pas. Tout ce que tu pourrais perdre lors d'un naufrage, tu ne le possèdes pas. Et donc, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? D'apprendre tous ses livres les plus précieux par cœur. Et donc, il allait dans le monde entier, juste avec un petit peu de quoi manger, etc. Un petit frappuccino caramel, vite fait, une barre de céréales, une bouteille d'Evian, et tout son savoir était dans sa tête. Donc, c'est bien de vouloir devenir riche, etc. Mais si tu n'as rien dans la cabeça, si tu n'as rien dans la tête, tu ne vas pas aller très très loin. Et il ne s'agit pas de niveau scolaire, de diplôme, etc. Moi, j'ai un ami qui est millionnaire. Il est multimillionnaire. Il a 40 ans, il a appris à lire et à écrire il y a 2 ans seulement. Il ne savait pas lire, pas écrire. Ben, ça ne l'a pas empêché de gagner des millions. Et quand il est venu se former chez moi, je lui ai dit, mais comment tu as fait, en fait? T'as des sociétés dans partout, en fait. Comment tu fais pour être millionnaire? Il me dit, j'avais pas besoin, en fait, de savoir lire et écrire. J'ai toujours payé des gens, en fait, pour lire et écrire à ma place. Et je dis, mais à la banque. Il dit, non, j'avais une fausse signature. J'ai fait un truc comme ça, un faux truc, une fois. Après, je dis, ah, c'est pas mal. Voilà, c'est ma signature.
mais c'est quelqu'un qui a une grande richesse intérieure, qui a une grande expérience de vie, qu'il a réussi à recycler en quelque chose de positif. Donc vouloir de la thune, vouloir des gamos, vouloir des iPhone X ou je ne sais pas quoi, c'est bien. Mais s'il n'y a rien derrière, tu ne vas pas aller très très loin. Donc voilà pour ma présentation. Avez-vous des questions ou pas? Si vous n'en avez pas, ça m'arrange, je vais me reposer plus vite. Mais si vous en avez, ce sera avec un grand plaisir. Toi qui m'écoutes, attention. Surtout, ne passe pas à l'action après cette vidéo. Non, surtout reste dans l'ombre et continue de priver le monde de ta lumière.